Elle est en possession des banques de drogue. C'est une vendeuse de drogue. Voilà. Elles ont menti aux gens qu'elles ont l'argent, qu'elles font les trucs de crème. C'est des faux trucs. C'est des bêtises. Donc arrêtez de mentir sur l'État de Côte d'Ivoire pour dire que non, l'État de Côte d'Ivoire, ils sont là, ils arrêtent les gens arbitrairement. C'est faux. Lolo Beauté, c'est une vendeuse de drogue. Voilà. Toutes les autres filles là, c'est elles gèrent busy. Voilà. Elles vont monter aux filles là que non, qu'elles sont dans le business. C'est quoi les business? Elles ont bureau où? Elles n'ont qu'à nous montrer les bureaux qu'elles ont là. Elles n'ont qu'à nous montrer. Si par mois, elles emploient des gens, elles emploient personne, c'est des menteuses, c'est des gérantes de busy, ou c'est des vendeuses de drogue. Les filles qui se disent influenceuses qui viennent raconter, l'argent ne parle pas. Il y a des filles là, elles travaillent dur, elles se lèvent matin à la sueur de leur front, elles travaillent. Mais ces filles là, elles sont en train de salir le nom des femmes. Elles sont en train de salir le nom des femmes. Elles vendent des crèmes qui font des ravages sur les peaux des filles. Hein? Et puis elles vont nous raconter quoi ici? Donc Lolo Beauté, aujourd'hui là, elle est dans la main de la police ivoirienne. Ça vous dit que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Donc ceux qui sont en train de raconter des bêtises que l'on, la Côte d'Ivoire, ils abusent, ils arrêtent les gens arbitrairement, c'est faux. Voilà. Lolo Beauté avait de la drogue sur elle. Voilà. Lolo Beauté avait de la drogue sur elle. Bon, attendez, je suis en train de chercher la vidéo pour vous montrer exactement. Parce que comme les gens, ils sont là, drogue. Voilà. Donc les filles, ne les écoutez pas. C'est pas des bons exemples à suivre. Voilà, c'est pas des bons exemples à suivre. Ça, je vous le dis, ces filles-là. Aujourd'hui, la bosse, je vais voir Makosso. C'est Makosso qui dit qu'il a... Comment on appelle ça? Makosso qui dit qu'il a... comment dirais-je? Des relations, là. Il faut aller libérer ta soeur Lolo Beauté. Voilà. Va libérer ta soeur Lolo Beauté, parce que toi-même, là, bientôt, tu seras attrapé. Toi, Makosso, Makosso serait attrapé parce que c'est lui-même le chef des cartels de la drogue. Voilà, Makosso. Parce que sa sœur là, sa sœur, comment s'appelle là, Lolo Beauté, là, Lolo Beauté. Puis on va prendre Lolo Beauté. Lolo Beauté avec de la drogue. Ça, je vous le dis. Donc ne mélangez pas les choses. C'est pas pour pétoniste. Ça n'a rien à voir avec des pétonistes. Ça n'a rien à voir avec affaire des pétonistes. Lolo Beauté était en possession de 10 kilos de drogue. Je vous dis, 10 kilos de drogue, c'est pas un jeu. Parce que toi-même, là, bientôt, tu seras attrapé. Toi, Makosso, c'est un grand dossier, hein. C'est pas à faire des Djali, des Betou, qu'on va prendre Lolo Beauté. Lolo Beauté avec de la drogue. Ça, je vous le dis. Donc, ne mélangez pas les choses. C'est pas pour pétoniste. Ça n'a rien à voir avec des pétonistes. Ça n'a rien à voir avec affaire des pétonistes. Lolo Beauté était en possession de 10 kilos de drogue. Je vous dis, 10 kilos de drogue, c'est pas un jeu. Maman, les choses se passent ici dehors. La famille, là où je vous parle, là, je suis bouche bée. Hey! Il dit, je suis bouche bée. Bon, hier, j'ai vu des vidéos circuler à gauche et à droite. Les gens font les lives par-ci, par-là. Oh, Lolo Beauté a été arrêté à l'aéroport. Oh, Lolo Beauté, c'est ci. Oh, Lolo Beauté, c'est là. Maman, moi, je ne voulais pas encore croire. Oh. Je disais seulement que, ce n'est pas une histoire de buzz. Après, quelque chose me dit, Josie, les gens ne font que parler. Les gens ne font que parler. Il y a certaines, même comme la vidéo que je vous ai laissé écouter là. Hein? Bon, la première vidéo que j'ai vue une dame faire sur Facebook, c'est donc comme déjà Lolo Beauté, elle ne savait pas que voilà, on l'attendait déjà à Abidjan concernant la vidéo que vous connaissez du Pétou, que vous connaissez un temps là, hein, que dès qu'elle est arrivée, la maman, on n'a même pas laissé Lolo Beauté appeler quelqu'un, on a seulement tchaka Lolo Beauté directement. Hein, pour la prière, il dit directement, on n'a même pas laissé Lolo Beauté, même boire de l'eau, même pour digérer le soleil de l'Afrique, maman. Dès qu'elle sort de la France, pam, que oh, je m'en vais en Afrique avec toutes ses joies, sans connaître que voilà, il y a quelque chose qui l'attendait là-bas à l'aéroport, maman. On a tchaka Lolo Beauté, que tchang, maman, les réseaux sociaux, on dit souvent que, les réseaux sociaux, là, ça peut nous mettre dans le grand baissé. Comme je vous dis là, maman, si tata Lolo Beauté connaissait seulement que voilà,
Même pas rêver mettre ses pieds là-bas en Côte d'Ivoire, maman. À l'heure que je vous parle, le championnat est serré, maman. Il dit des gens font des vidéos. Moi, je me demande, ceux qui disent que oh, on l'a arrêté avec le coup, on a fait ceci, on a fait cela. Hey, s'il vous plaît, hein, les réseaux sociaux là, ça n'oublie rien de, ça n'oublie rien. Bon, montrez-nous alors les preuves. On veut voir les preuves. Vous voyez la fille, l'influenceuse que j'ai parlé dès l'autre jour ici, là, hein, la Nigérienne, là. On a mis avec les preuves, on a mis que voilà, là où elle a été, pam, 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 hein. Et on a mis tout sur les réseaux sociaux. Bon, venez dire que telle personne portait ceci, cela. Ça nous présentait une vidéo pour nous montrer. Ça pas encore te mettre dans les doubles blessés. Hey, wow, les réseaux sociaux, maman. Il dit, je parle comme ça, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si je suis en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe, maman. Mais je suis ici pour sympathiser avec Tata Lolo Beauté parce que on ne rit jamais du malheur de quelqu'un. Je dis toujours ça tous les jours. Il est bien vrai, Lolo a fait quelque chose qui n'était pas bien. Il fut de cela quelques mois. Mais, bon, apparemment, la première vidéo, même d'abord, c'était pas erreur. C'est la deuxième vidéo qu'elle est venue encore montrer, donc, tout là, que moi-même, j'ai dit, hey! Hein? Il est bien vrai, elle avait fait quelque chose qui n'était pas à sa place. Et que normalement, en Afrique, on n'accepte pas. Peut-être, donc, c'est alors ça qu'on l'a alors pris, que voilà, on va te corriger. Bon, certaines personnes disent que c'est pas seulement ça. Il y a plusieurs choses. Et je vois des gens, ils se moquent, des gens rient. Oh, tu pensais que quoi? Oh, tu ne fais pas le business. Oh, la vente des produits. Oh, c'est là. Oh, vous mentez les petites filles et tout et tout. Vous oubliez même que Lolo là, elle a les pages monétisées sur Facebook. C'est ceux qui n'ont pas encore eu les pages monétisées qui vont dire que oh, elle ne gagne pas l'argent. Les Lolo Beauté là, les Camille Makoso là. Je connais plusieurs personnes. Seulement à travers les... Vous connaissez combien ils gagnent sur les réseaux sociaux? Vous connaissez combien les gens en font par mois sur les réseaux sociaux? Vous allez rester là-bas dire, oh, ils font ceci, ils font cela. Voilà les créateurs de contenu nigérian là. Vous voyez comment ils achètent les maisons tous les jours. Vous voyez comment ils construisent, ils partagent l'argent là-bas chez eux tous les jours. Parce que c'est quoi? L'argent de Facebook, c'est comme un argent. Je sais même pas comment expliquer. Et donc, si tu prends l'argent, tu ne connais pas ce que tu vas faire avec. Non, ça va seulement vanish. Donc, moi, hein, du côté de la, d'un coup là, moi, je ne pense pas que c'est même ça. Peut-être il y a autre chose. Bon, on attend encore les updates. On reste là. On écarte les yeux, maman. Les choses se passent. Ivoirienne qu'on appelle le Loroti. On vient tous d'apprendre. Personnellement, j'ai reçu un SMS dans lequel on me disait depuis tôt ce matin comme quoi le Loroti était arrêté. Il est arrivé à l'aéroport d'Abidjan et une fois arrivé à l'aéroport d'Abidjan, elle a été tout simplement arrêtée, questionnée par la police et transmise directement à la MACA, c'est-à-dire à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Le Loroti est accusé des gens pour les faits qu'elle a eu à dire sur la toile. Des faits où elle a accusé le manager confirmé d'être celui qui prenait par derrière le jeune, comment on l'appelle, Didier Congélateur. De l'autre côté, aussi, une autre plainte, c'est qu'on la reproche, la AK la reproche d'avoir diffusé sa nudité sur la toile. Et la troisième, c'est que de l'autre côté, il y a eu deux plaintes contre elle parce qu'elle aurait créé un groupe, hein, elle en parlait sur la toile, un groupe WhatsApp dans lequel elle pouvait mettre des gens, des couples, enfin des célibataires en couple, et des gens devaient payer des sous. Donc après, à un moment donné, elle avait disparu, les gens la cherchaient, mais sauf que parmi ces gens, il y a deux ou trois personnes qui avaient décidé de porter plainte. Donc bref, ça, ce sont les chefs d'accusation qui ont fait que Lolo Beauté aujourd'hui se retrouve en prison. J'ai reçu le SMS très tôt ce matin où on m'a expliqué tout cela. Mais moi, en même temps, j'aimerais dire une chose. Lolo Beauté, elle est ce qu'elle est, elle dit ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle fait. Mais la réalité, c'est que, comme je disais, que Lolo Beauté est ce qu'elle est, sincèrement, si on enlève son côté vulgarité, il a pour ça parler, ce zèle quelquefois désagréable, il a pour ça parler. Moi, je le reconnais l'étiquette d'une femme qui se bat pour prendre soin de ses enfants. Je le reconnais l'étiquette de cette femme-là qui est forte, qui veut à tout prix gagner de l'argent. On a tous vu de l'autre côté arriver sur la toile en train de vendre des produits et devenir celle, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, celle qui a inspiré
beaucoup de tous ces blogueurs qui pilotent sur la toile ici-là et qui ont plus ou moins coupé son style. Mais là encore n'est pas un problème. Le problème ici, c'est que j'aimerais interpeller toutes ces personnes qui sont abonnées à toutes nos pages-là. En particulier vous, les Ivoiriens. Vous avez la grande gueule sur la toile. Vous, les abonnés de tous ces gens-là, c'est vous, en réalité, la vraie cause qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs blogueurs ivoiriens qui se retrouvent en prison. Aujourd'hui, on parle de Peter, qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, serait mort selon les rumeurs. Peter s'est retrouvé en prison parce qu'il a eu à déclarer des propos qui... Peter a eu à faire des déclarations, a eu à dire des propos qui ont touché la sensibilité de l'État ivoirien. Et si Peter a eu à dire ces choses-là, non pas parce que c'est un activiste, non pas parce que c'est un blogueur, mais d'abord parce que en face de lui, il avait un groupe de personnes qui l'a soutenu, qui le soutenait, pardon, et ce groupe de personnes, ce n'est pas des gens politiques, c'est vous les abonnés. On a vu le Loboté qui a eu à dire, à faire des choses. Les abonnés l'ont soutenu, l'ont acclamé, lui ont donné un certain zèle. Ici, les abonnés donnent comme une carte verte, comme un pouvoir, comme une légitimité de pouvoir dire tout et n'importe quoi sur la toile. Ma, vous avez compris, non? Que la majorité des temps, c'est les abonnés qui poussent les chefs là à aller faire des choses. Et maintenant, voilà le moment où les abonnés vont aussi venir en aide. Oui, parce que notre tonton, il est déjà en train de droiter les abonnés d'une part, ok? Donc, alors, si les abonnés de Lolo Beauté, vous allez beaucoup prier pour Lolo Beauté, vous allez aussi mettre aussi les batteries en marche pour que notre tantine préférée, Lolo Beauté, soit pardonnée et soit libérée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. N'hésitez pas de partager, de liker cette vidéo. Et je vous ai toujours dit, on ne réjouit pas du malheur de quelqu'un parce qu'on ne sait pas quand ça doit cogner à nos portes, ok? Il est bien vrai, elle a fait quelque chose qui n'était pas à sa place et tout. Comme je dis toujours, si Dieu peut nous pardonner tous les jours pour nos péchés, parce que nous péchons tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, qui est l'être humain pour ne pas pardonner un être humain? Donc, à bon entendeur, salut!